Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4, thé pudding and camembert avec le cygne noir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on reprenait dans notre petite guerre européenne que je t'avais dit que c'était une petite guerre de rien du tout et que finalement ça se transforme en guerre européenne et je t'appelle à l'aide. C'est ça, on est d'accord, mais c'est pas grave, hein, écoute. En attendant, je t'amuse tranquillement de... Tiens, en parlant de ça, je vais peut-être pouvoir faire des petites paix à droite et à gauche, moi. Alors, c'est qui Ratisbonne. Là, il se démerde. Bah, Ratisbonne, c'est l'endroit où il y a le siège à 99%. D'accord, bah, je peux les sortir. Mais à la limite, si ça les occupe, je vais peut-être les laisser. Bah, là, il y avait 25 000 hommes dessus qui sont en train de s'en aller, donc je pense qu'ils reviennent vers nous au nord, là. Ouais, bon, il a 92%, je vais peut-être le faire quand même, comme ça, ça sortira. Bon, je pense que Ratisbonne, bah, y a pas... Ouais, en plus, sort-les, et puis ça va les foutre en exil, peut-être. Donc, ça sort toujours ça de prime. Ah, ouais, c'est pas con. Je suis pas sûr, hein. Vu que c'est Liège, c'est pas... Liège et Brandebourg, peut-être Brandebourg. Non, mais t'as raison. Ça se tente, quoi. On peut imposer la religion, on va le faire, c'est notre truc prioritaire, maintenant. Imposer la religion au maximum pour foutre la merde. Il est sympa, on envoie le drapeau de 30 révolutionnaires, j'aime bien la couleur. Ouais. Bon ben voilà, et bien évidemment, non, ça ne les a pas mis en... Ça ne les a pas mis en exil, donc c'était relativement prévisible. Mais je me demande si tu peux faire une paix avec eux. Ah mais du coup ils sont peut-être venus parce qu'ils étaient dans la coalition, donc c'est peut-être pour ça que... Je me demandais, tu vois, si tu avais moyen, genre de 30 révolutionnaires, lui faire une paix en mode écraser la révolution et mettre fin à cette putain de révolution. J'y crois assez moyennement, vu que c'est pas le casus belli. Bah pour moi, ils sont en élevé, donc je peux... Bon, si, je peux aller voir. Ah bah quand même, oui, de toute façon, pour l'instant, ils sont pas fait défoncer, ils sont en terrain totalement sûr, là, au milieu de Ferrari. Oui. Clairement, on peut pas, mais je veux dire, si jamais on arrive à sortir une paix, tu vois. Ouais, bah je regarderai. On va là. J'enlève la pause. Tu peux. C'est parti. Quoi? C'est quoi ça? Conquête normande de Liège, issue incertaine avec... Ah, ils ont sorti la Norvège? Ah ouais, d'accord, ok. J'ai pas fait gaffe, oui, ça se trouve, il y avait du monde. Ah, il a des révolutionnaires norvégiens et tout, ouais, il a peut-être... D'accord, merci pour son aide précieuse. Ah, drame. Par contre, le seul truc qui me fait rire, je viens d'aller voir la Norvège, c'est que ils ont comme vassal le Danemark, qui a plus qu'une province. Ah ouais, la classe. Je trouve ça drôle. Ah, ils se sont bien relevés, hein. On peut pas dire le contraire. Non, c'est clair. Bon, bah, c'est pas grave, on va continuer de tenir entre nous. Hein. Oui. Bon, là, de toute façon, Brandebourg, on va lui raser un peu la tronche. De toute façon, il y en a d'autres que je vais pouvoir sortir, hein, clairement. Lorraine qui campe un peu là. Pff, tiens, je peux sortir la Pologne et ça nous évitera d'aller la chercher. Oh, et où là? Putain, on est tellement lent. Ah non, je peux pas. Pas la Pologne. Je peux sortir S. Eh ben, on va sortir S. Je peux pas leur imposer la religion, malheureusement. Bon, franchement, on n'est pas pressé, hein. On n'est pas dans le mal. Enfin, je sais pas, t'es oui, peut-être non, dans mais le mal, mais... Non, pas du tout. Non, mais je pourrais jamais le faire de toute façon, même si je voulais, parce que c'est trop cher, mais... Non, on peut rester comme ça, oula, pas de problème pour moi, hein. La Pologne, je suis en train d'assiéger sa capitale, il devrait un peu faire moins le malin bientôt. Pareil pour le Brandebourg. Nous avons remporté le siège de Berlin. Bravo. Et on va poursuivre Hanovre pour fêter ça. Qu'est-ce qu'il va? Coucou. Oh non, tu t'enfuiras pas. Alors ici il y a 20 000 hommes, mais ils sont en train de s'enfuir. Voilà, le petit stack wipe qui fait plaisir. Alors est-ce qu'on a des trucs qui sont contre nous là? Ça c'est contre nous. Ah, la capitale de la Poméranie, elle est sur une île. Les petits sagouins. On peut pas y aller du coup. Elle est chiante ma couleur, parce que là franchement pour voir, j'ai du mal à voir qui... les trucs que j'ai pris et pas pris quoi.
Ah ouais, ça. Bon, on pourrait peut-être aller chercher 40 000 hommes et se débarrasser de ce truc. Ah merde, il est mort notre commandant ici. On prend de l'attrition pour rien. Alors, la Pologne, le siège de la capitale est tombé. Hop, on va aller prendre l'autre province, tant qu'on y est. Ah d'accord, ils entrent chez moi par, par le sud du coup. Très bien. J'avais pas vu. Ici, est-ce qu'on les a enfin rattrapés? Non. On peut les rattraper. On va les choper là dans la jungle. Parce que ça commence à me faire bien faire de les poursuivre dans la jungle pendant des plombes là. Allez, pute-les. Alors oui, je l'ai pas dit, mais en off, j'ai un peu investi à droite à gauche parce que c'était, on avait vraiment beaucoup trop de sous. Notamment dans les compagnies. Là, il y a du charbon à Ashire, là. C'est bien, ça. Goslar est sorti. Ouais, je sors petit à petit des petits trucs quand même, parce que... Attends, je finis de développer Ashire à 30. Pourquoi je peux pas faire de... C'est où, ça, Ashire? J'ai déjà fait un truc à Ashire. Ayrshire, c'est là, Ayrshire. Cale sèche, il y a déjà un fourneau. Ah, il y a déjà un fourneau, tant pis, c'est comme ça. Allez, ici. On leur saute dessus, on est deux fois plus nombreux, on a normalement des meilleurs techs, ça devrait bien se passer, voilà. S. Stack wipe, parfait. Ça c'est fait. Les colonies, on va s'en débarrasser petit à petit. Qui il nous reste à faire tomber? De moins en moins de trucs hein, au final. Bah, tu sais quoi, je vais commencer à me diriger vers le Portugal. Si ça ne t'embête pas. Non, non, ça devrait aller. Ah, remarque, je vais peut-être descendre plutôt, filer un coup de main au sud. Ouais, là où ça commence à rentrer tout petit à petit. Alors, toi, tu vas aller là. Voilà, tu passes pas par les paysans, c'est pas la peine. Et toi, tu vas aller te poser en Savoie. Et on va se regrouper par là-bas. On a 200 points de puissance cléricale, on pourrait peut-être faire des trucs avec, non? Genre, plein de thunes. Voilà, hop. On a des ports sous blocus. Ah oui, c'est là, ouais, on s'en fout. Alors ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on a pris le siège, sans grande surprise. Mayence qui sort. Ouais, je commence à en sortir, hein. Je vais pas perdre de temps non plus. Oui, oui, mais non, mais t'as raison. Hein. Bon, on a bien rééquilibré nos fonds, hein, plus 847 par mois. Ça va. On va pas se plaindre. Bon, les colonies, c'est fini, elles ont plus rien. Il reste plus rien. On va pouvoir les bouffer. Oh là là, mes flammes de Chobiti, elles m'envoient 500 balles avec les... D'ailleurs, j'ai oublié de renvoyer mes bateaux de commerce. Alors, où sont mes armées? Mes armées sont plus ou moins prêtes, en avant. Ils se replient, on dirait. Ils nous voient arriver. La grosse masse, là. Oui, tiens, je vais lui piquer, lui, par contre. Il y a encore 26 000 hommes, ici. Allez, hop, ça c'est gratuit, je le prends. Bah oui, quand même, faut prendre quelques trucs, ce serait dommage. Bah là, je peux, ouais. Du coup, normalement, j'ai une flotte de 81 qui doit traîner à rien foutre. Voilà, toi, viens chercher ces gens. Eux, ils vont où là? Ils vont pas chez moi. Je peux pas voir où ils vont?
Ah, Bénin, bah c'est juste à côté, pourquoi tu vas pas piller? Bon, ok, admettons. Tiens, le Bénin qui a, 32 000 hommes de fanatiques sunnites qui l'attaquent, lui il a deux provinces et 1000 hommes. Comment te dire? Tiens, juste pour le faire chier là, comment il s'appelle, le Brandebourg, je lui fais que ça, parce que je m'en fous du reste, je lui fais rendre des territoires légitimes à d'autres trucs pour l'affaiblir. Ah, tu peux pas le libérer plutôt? Enfin, libérer des trucs? Non, je peux pas les libérer. Mais tant pis, dommage. Hein, il va... Dommage, dommage. Ah, il a rejeté l'offre de paix. Ah, bah alors. T'as pas moyen de... Oh merde, t'étais en train de perdre toi en bas là. J'étais dans mon offre de paix. Ah merde, oui, j'avais pas vu. Ah. Mes troupes de renfort sont arrivées trop tard. Diantre. Ouais bah ouais, désolé, j'étais dans les fenêtres de négociation. Non, non, mais c'est moi, j'avais fait mon move et puis j'avais pas regardé plus loin, mais... C'est pas grave, les renforts ont fait le taf. Vous repliez où, vous? Jusqu'à Paris? Bah écoute, après on va partir s'occuper du Portugal, c'est promis les gars. Déjà on va dans les Pyrénées, ça vous fera des vacances. Bon, faut que je fasse gaffe parce que... Il peut passer, hein. Tes forts vont pas le bloquer vu que t'es pas en guerre. Comment il essayait de fuir là le siège? C'est mort. Bon, les colonies portugaises, c'est fait. Alors, on va jamais réussir à y retourner, on est beaucoup trop lent dans ces putains de jungles. Alors, il y a ce truc là qu'on pourrait aller assiéger. Faisons ça. Un expert en fortification repéré. Non, non, c'est bon. Ça devrait aller. Je l'ai. Ouais, il a bien des peuples là, le. Ah oui, effectivement. Il sort aussi la Pologne. Bon, ça y est, c'est la fin de la guerre, quoi, hein, clairement. Allez, parisiens là. En avant. Il y a quand même pas mal de portugais. Pas lui là. Imposer la religion à lui. Bon, attends, on va aller le faire. On va voir ça. Ah, on a perdu le Casbelli, écrasé la révolution. Trent est en exil. Tiens, bah Trent, on pourrait aller assiéger Trent là. Si t'as des troupes qui traînent. C'est ce que je suis en train d'aller faire. Fais gaffe, t'as un drapeau noir par contre. Ouais, c'est bon, il repasse chez moi. Ah, donc c'est bon. Oui, bon. C'est vrai que tu vas jusque là maintenant. C'est ça. Exact. Allez, ici, on embarque. Hop. On va là. Ici. On se prépare à débarquer. Ici, voilà. Alors là, on va se renforcer. Pour l'instant, on est un petit peu juste. Merde, je crois que j'ai misclic là. Non, c'est bon. Un événement crucial est apparu au Bahamani. Des éléphants. Les éléphants en Europe s'appliquent en Bahamani. Combativité de la cavalerie plus 15%. Et ben ok. Poméranie sort. Alors il commence à reculer, on dirait, il nous voit arriver. Après, s'il laisse juste ses 36 000 hommes tout seul, on va y aller quoi. Quoi, tu peux m'appeler, hein, moi je peux venir avec toi si tu veux. Hein. Bah écoute, on va voir si jamais là il s'avère que cet assaut est un échec cuisant. Hein, ouais, enfin, il a l'air quand même de se replier en mode si je pouvais fuir, je le ferais quoi. C'est un peu ça, ouais. Je m'inquiète pas trop pour l'instant. Je fais juste un peu de développement. Les Bermudes, non. Bois-le-Duc, bah voilà, on va développer Bois-le-Duc, c'est très bien ça. Hop, hop, hop. 30 à Bois-le-Duc. On va développer un peu Bruges. Allez, voilà, c'est bon, lâchez-moi avec les points. On assolte. Il va revenir, hein, bien sûr, parce qu'il va pas laisser son armée à 36 000 seul. Oula, baf! Il était combien? 26 pourtant. Non, il fait demi-tour finalement. Et un petit stack wipe. 1. Alors là il reste du rouge mais c'est une petite flotte de merde. Là il y a 26 000 hommes qu'on n'arrive pas à choper, c'est surréaliste.
Les mecs ils se baladent dans toute l'Amérique du Sud, on n'arrive pas à les avoir quoi. Non, il y a des petites merdes partout le Portugal, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Trent révolutionnaire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en faire un vassal, réparation de guerre, non, je peux lui imposer la religion et je vais le faire. Mais je peux pas lui demander de plus être révolutionnaire. Ouais, faut avoir le casus belli parfait, j'imagine. Je vais même pas regarder si je pouvais lui piquer son truc. Non, j'ai pas de truc directement, donc je peux pas pouvoir. Ici, merde, on est en position là, faut qu'on débarque avant d'être complètement dans le mal. Ouais, ça va. Je pense pas, non, je peux pas. Imposer la religion, réparation de guerre, et voilà. Allez, là, on les défonce. Et on les assiège. On fait sortir leur bateau. T'es contre le... Tu fais la dernière offre là, non? Il reste ouais, ça y est. Prends tout Liège. En plus, c'est bien, j'ai trop de points administratifs, donc ça tombe à pic. Voilà. C'est fini. Ah, t'as le Portugal. Ah, t'as le Bamani qui a débarqué, quoi, qui te prend, qui t'a pris l'île. Ah, j'avais pas vu. C'est vrai qu'il était allié le Bamani. Ah, ouais. Invite-moi, je vais aller leur taper dessus. Attends, vas-y, invite-moi, je vais leur faire une surprise. Ah bah si tu veux. Oh bah oui, autant s'occuper, autant s'amuser. Hein. Appel aux armes. Pouf. Il a débarqué presque quasiment 60 000 hommes. Moi, je vais aller tomber sur Lisbonne. C'est vrai que j'avais complètement zappé que dans le coin là-bas il y avait le Bahamani. Je pense qu'il s'y attendait pas à ce que je lui débarque dessus comme ça. Ouais, bah c'est sûr qu'en même temps il devait se dire ouais ça va, c'est bon et tranquille. Alors, ouais, et puis ça t'évite de gérer ça au moins. Ah, mais il y a non, même plus coup, que ça hein. Je vais débarquer sur le Bahamani. Il y a 30 000 hommes aussi un peu plus au nord et j'entends des bruits d'éléphants pendant la bataille, c'est trop bien. Il y a des éléphants quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont eu l'événement des éléphants en Europe en fait, c'est qu'ils ont dû débarquer là à ce moment-là et ça génère un événement. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe à ça. Victoire alliée. Et bah du coup nous on va aller débarquer au Bahamani, qu'est-ce que je vous dise moi. On va mettre des chevaux en Asie. Ça y est, vous avez réussi à la choper, sa petite armée, là. Merci. C'est pas dommage. Alors, Lisbonne, ça se passe comment? C'est tombé. Parfait. On va aller se poser là, du coup. Non, passe pas par les bateaux, c'est pas la peine. Ouais, c'est bon. Je l'ai battu. Il m'a amené des renforts dans la gueule, mais c'est bon. Je les ai battus juste avant. Alors, ici. On va là. On fait sortir ces 79 bateaux contre nos 252. Ça devrait bien se passer. Vijayanagara a déclaré la guerre à son ennemi le Portugal. Est-ce que le Bahamani est dans la guerre? Oui, le Bahamani est dans la guerre, c'est bon ça. Du coup, Portugal, c'est bon, tu l'as rayé de la... Oui, je sers à rien, c'est pas la peine. Oui, non, en bas, ouais, non, c'est bon, il va tomber. Non, mais c'est bien, ça me permet de me concentrer en haut comme ça. Tu peux raser des éléphants si tu veux, pas de problème. Yes. Alors méfions-nous, hein, il est possible que le Bahamani ait quand même quelques hommes qui soient restés chez lui. Oui, oui, fais gaffe quand même. Nous avons remporté le siège de Lisbonne, attention, c'est la bataille navale de la folie, là. La flotte portugaise contre la flotte des Vengeurs Bretons et de la Grande-Bretagne. Et c'est terminé. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, ça va être l'autre qui est terminée. Ouais, celle-là est terminée. Et il redescend, on va donc le faire... ressortir avec grand plaisir ici. On va traverser comme ça, on va pas se faire chier à faire des trucs complexes. Ah, c'est tellement cher de débarquer. Je suis tellement en train de lui achever ses troupes là. Bah, j'ai vu qu'il en recrutait quelques-unes par chez moi là. Enfin, par chez moi, du côté de par chez lui plutôt, on pourrait dire. Mais... Oui. Voilà.
suis en train de dessiéger proprement. Tous les gens se retirent de la coalition, ouais, puis de toute façon il a le Vivianagara qui lui tombe dessus, donc... Bataille ah bah voilà, terminée. Il reste 9000 hommes, je vais les stack wipe, voilà. Oh, le petit bonus de général qui fait plaisir là, chercher des trophées, plus 20% de chance de capturer les navires ennemis. Ah bien. Bon bah, c'est terminé. Ah, ça y est, on a débarqué. Ah, par contre, on n'a pas de commandant, ça peut... Le Bamani étant faible, tu m'étonnes. Alors, est-ce qu'on peut sortir le Bahamani pour avoir un peu plus de score? Non mais par contre, c'est un vrai allié, hein, pour le coup, il a fait traverser tout ça pour l'aider et tout, c'est bien, hein, respect. Hein. Est-ce qu'on profite pour poser un pied? Non, on peut pas, ouais, parce qu'on n'a pas de forteresse, c'est ça. Il a besoin d'un score de guerre d'au moins 1, on peut même pas faire de demande pour l'instant, il accepte une paix blanche, mais c'est tout. Bah, on va essayer de prendre un petit siège. Et pendant ce temps là on va aller faire le blocus de ce truc. Il a quand même du monde hein, et on n'a pas de général, donc il y a moyen qu'il nous mette une fessée. Demandons la paix, bon ça va les gars quoi, eh oh, on se détend, hein. C'est pas comme si on avait autre chose à foutre de toute façon. On a une lassitude de guerre de 0 quoi. Même avec le demandons la paix, notre lassitude de guerre elle baisse quoi. Grâce à l'hégémonie navale, moins 0,10 de lassitude de guerre. Le peuple est fatigué, mais quand même, ils s'en foutent, quoi. Alors, où est-ce qu'il va se replier, là? Nulle part? S'il va se replier, probablement, là. Ah, c'est tombé, là. Parfait. On va aller faire ressortir ses bateaux. Ces cadeaux, ça me fait plaisir. Alors, le Bahamani, ça se passe comment? Parce qu'on est à 21% de siège et qu'il va nous falloir un commandant. 4 commandants pour 5. 30 000 troupes du Portugal qui traînent là, j'allais me les faire. Ah, bah vas-y, fais-toi plaisir. Il a encore 30 000 troupes en Europe. Ah ouais. Bah ouais, en Espagne. Effectivement. Ouais, ça va pas durer longtemps. Je veux bien te croire, ouais. Vous allez là-bas. Une nouvelle doctrine. Elles passent la wipe, mais elles doivent pas se retourner. Ouais, bah elles se retournent juste, se replient juste à côté, donc. Au revoir. Voilà. A pu. Allez, maintenant on va aller faire un blocus là-bas. Et vous allez ici. On va faire un double blocus. Alors là, ça se passe comment? C'est pas tombé encore. Bahamani court partout parce qu'il se fait assiéger dans tous les sens. Visiblement, il a encore des troupes en Espagne. Au milieu là. Ah bah écoute, il s'était peut-être replié d'une manière ou d'une autre. Non, hein. Bon, c'est pas grave, on va s'en occuper. Non, par contre, l'attrition qu'on prend là, c'est assez ouf. Hein. Waouh. 4% d'attrition. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Faut qu'il tombe ce siège là. Quittons, on prend ces deux trucs là, on aura un pied en Inde. Ça peut toujours servir. J'avais dit que j'irais pas, mais au final. Ah, mais il a une petite île ici aussi. Putain, mais il en a partout quoi. Ça, c'est un truc de fou. Allez, tombe, voilà. T'es à 71%, tu peux tomber. Voilà, merci. Shienagara qui me demande l'accès militaire. Bah oui, il est en guerre contre le Bahamani, donc je sais pas trop à quoi ça va lui servir, mais... Non, je comprends pas non plus, pour le coup. Peut-être pour débarquer sur le Portugal. Bah écoute, ouais, mais bon. Allez, là on va buter ces derniers bateaux. Voilà, j'ai terminé ces troupes en Europe, enfin en tout cas, visiblement. Le Bahamani, on va pouvoir le sortir bientôt, je vais m'occuper de ces bateaux si je peux en piller quelques-uns. Là, on lui coule la flotte portugaise là. C'est quand même l'amiral des Vengeurs Bretons et ses 6 navires de commerce qui gèrent la bataille quoi. C'est presque triste. Merde, je me suis bourré, j'ai mis ce clic, c'est vous que je voulais bouger. Vous allez là. On a coulé le bateau du Bahamani, on va aller ici. Et une fois qu'on aura pris ces trois trucs là, on va pouvoir faire une paix avec le Bahamani, je pense.
toute façon il est en train de se faire défoncer par le Vijayanagara. Vijayanagara qui a bien compris que le Bahamani s'était barré en Europe. qui tombe littéralement dessus quoi. Ah, je peux prendre un truc des révolutions. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut prendre? Un avantage pour l'artillerie contre les forts. La marche forcée ne coûte rien. On ignore les distances de légitimation, ça peut être cool. Dégâts de l'artillerie depuis la seconde ligne plus 20%. Ah bah. Oui. Oui, carrément. Carrément que oui. Allez, hop, bataille navale terminée, bataille navale terminée, bataille navale terminée, bataille navale terminée. C'est bon, il commence à souffrir. Vaisseau amiral du Bahamani coulé. Boum, 5 de prestige, le Bahamani n'a plus de flotte. De toute façon, le Bahamani n'existe pas, hein, faut dire ce qu'il est. Tu me donnes tout ça? Tu veux pas? T'es sérieux? Les exigences sont supérieures au score de guerre, mais mec, t'existes plus! Tu te fous de ma gueule? Bon, tu vas au moins me donner de petites conneries, hein. Je peux prendre pied là. Non, tu veux même pas me donner ça? Sérieux? C'est un truc de fou. Ouais, des fois c'est bizarre les trucs. va te faire voir, hein. On va laisser le Vijayanagara t'écraser, puis bah quand tu seras bien écrasé, on verra ce que tu demanderas. Ah mais ici, il est en train de faire le malin là. Je te vois, Portugal, tu essaies de faire le malin. Tu essaies de tuer les vengeurs bretons. Ce n'est pas envisageable, Portugal. On va aller piller Lisbonne pour la peine. Ah bah oui, hein, ça, quand il y a 274 bateaux, tu rigoles moins, hein. Face à 6. Ah, ça commence à couler dur, là. Ah, bah la flotte a disparu, je crois. Propre. C'est propre. Bon, bah du coup, si on passe par lui, est-ce qu'on peut faire un relâchement sur les mers? Quoi? Bah vous déconnez, les gars. Perte de 1 en stab? Non, nous ne pouvons exiger qu'ils soient toujours au meilleur d'eux-mêmes. Voilà, on va les excuser un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme paix? Alors déjà, j'aimerais bien que vous dégagiez d'ici. Tout ça, c'est à moi. Voilà, toutes les petites îles là, à la con. Voilà, tout ça c'est à moi. Ça c'est à moi aussi. Ça c'est à moi. Oh là là, il y a tellement de petites îles partout. Est-ce que dans cette offre, là maintenant, je peux prendre ça? Ah, là je peux prendre ça, parfait. Bon, ça me coûte déjà 91. Hein. Au niveau des colonies, concède Brésil. Ouais, pourquoi pas. Concède Amérique de l'Est. C'est ce truc là, ouais, pourquoi pas, ça sera fait. Et on est à 100%, donc on prend ça. On pose un pied au Bahamani, on s'occupe de se débarrasser de plein de petites îles là, comme ça il est bouté du coin. Pas tout à fait, il a encore des bouts à droite à gauche, mais quand même bien éliminé. Allez, on prend. Voilà. Ça on légitime. Ça on légitime pas. Ça on légitime. Ça faut qu'on légitime, mais on a plus de points. Ok. Et on a plus de rival. Qui c'est qu'on peut rivaliser? L'Espagne. Les Timourides. Bah non, l'Espagne. Oh là là, l'Espagne, notre armée est 87% plus forte, quoi. Ouais, l'hégémonie navale, on la sent, hein. Je m'étonne. Notre armée est 99% plus forte que celle des... notre flotte est 99% plus forte que celle des Timourides. Parce que pourquoi pas. Allez, on va poser un petit embargo contre l'Espagne. Dès qu'on aura récupéré notre diplomate, voilà. Puis bah on replie nos troupes, hein. Ouais, tu m'étonnes.
Allez hop, c'est parti. Vous allez là, vous vous embarquez ici. Alors là, la Royal Navy d'Anne Bonny, elle va rentrer à Londres. Enfin, en l'occurrence, à Calais. Vous allez à Calais, vous. La flotte américaine, elle va rentrer aux Amériques. Et derrière, normalement, il y a une autre flotte, non ? Ouais, c'est toi, voilà. Vous là, vous allez là. Du coup, j'ai même pas pris ça, mais on peut pas tout faire. Hein. Ah bah, c'est pas vous qui avez des troupes. Si, c'est vous qui avez des troupes. Allez les déposer. Hein. Bon, normalement, ça a dû être redistribué les trucs. Voilà, c'est bon, ça a été redistribué. Donc, on peut lancer un tout légitimé des familles. Puisqu'on peut pas légitimer, on va qu'on sorte des bâtiments. Hein. Que je vous dise. Oui. Est-ce qu'on peut, hein? C'est ça. Ici, alors on va neutraliser les trucs. Ah, on avait un vaisseau lourd. Ah oui, c'est vrai, on avait piqué le vaisseau lourd du mage à Païte ici. J'avais oublié, tiens. Non, bah vous allez rester, tu vas rester là, vaisseau lourd, histoire que quand ça commence à péter, t'es moyen de faire des trucs. On a des troupes en exil, en Amiénois et en Ougamois. Ouais, c'est celle qui remonte là. Voilà, vous vous embarquez, vous allez à Londres. Toi, tu vas prendre Anne Bonny. Allez, c'est parti, on s'entraîne. Faut s'entraîner. On a un marchand qui ne fait rien. Est-ce que c'est toujours trop loin ici? Tain, c'est toujours trop loin ici, c'est un truc de fou. Est-ce que dans les nouveaux trucs qu'on a pris, là, il n'y aurait pas moyen de faire des choses? Alors là, tu vas collecter. Et bam. On va convertir 2-3 trucs. Oui, merci Brandebourg de me revendiquer des territoires, enfin de me redemander des territoires, du coup, ça me fait penser qu'il faut que je te les enlève. Chercheur désintéressé, 40 points partout. Pourquoi pas? Des particularistes britanniques ne sont pas contents. Ah oui. Effectivement. Pour accroître l'absolutisme, on va les laisser péter tranquillement. C'est franchement pas une priorité. On va se faire des... Hop, voilà, un truc comme ça. Puissance commerciale dans les charts, c'est très bien ça, la puissance commerciale. Alors, ils se sont soulevés. On va donc recruter un général et y aller. Ouh, un petit 3 étoiles, ça fait plaisir. Allez, on va se mettre à côté parce que d'ici qu'on arrive, ça sera pris. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas grossi comme ça.
J'ai pas trop regardé ce que ça donne en Amérique. Ah oui, putain, ouais, l'Amérique, putain, t'as... Joli quand même, hein. Ah bah oui, l'Amérique, ça commence à disparaître, là. Non, il reste les Caraïbes qui résistent, là, qu'il faudra gérer la prochaine fois. Mais du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode là, si tu le souhaites. Yes, je le souhaite. Et ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. À plus les gens. Merci à toutes et à tous.